Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette veille de la nouvelle année. Et oui, on est rendu déjà hein, au 31 décembre 2020. Beaucoup d'entre vous avaient hâte que cette année se termine, mais 2021 sera encore plus difficile. Donc, profitez des derniers moments de cette année 2020 qui était quand même pas facile, biblique, apocalyptique, mais encore quand même plus facile que 2021. Pendant ce temps-là, j'espère que vous allez bien. 14h, 14h du Québec. Je suis obligé de revenir encore sur... Mais j'ai hâte de passer à autre chose, là. Mais il faut que je revienne encore sur l'élection euh, présidentielle américaine, sur le prochain coup de théâtre des républicains... Ben, pas de tous les républicains, mais de un ou deux républicains, entre autres, et de Donald Trump, la semaine prochaine, le 6 janvier. Le 5 janvier, il y a l'élection. Hein? Mais Donald, euh, en Géorgie, qui va... Déterminer qui aura le contrôle de la Chambre haute, le Sénat, mais Donald Trump n'est pas préoccupé par ça. Il est préoccupé par essayer de renverser une élection totalement euh, légitime, une victoire éclatante de plus de 7 ou 8 millions de votes en faveur de Joe Biden, avec des Républicains qui ont quand même conservé et fait des gains dans la Chambre basse et la, euh, le Sénat, la Chambre haute. C'est vraiment une répudiation de Donald Trump à laquelle on a assisté et ça, il est incapable de l'accepter. Il est en complet, complet, euh, euh, en rage, hein? est complètement enragé, a perdu tout, tout sens s'il en avait, de rationalité, il est en train d'appliquer la politique de la terre brûlée pendant que les Américains ont des records de décès et de morts euh, attribués à la COVID, des hôpitaux pleins partout. Des records aussi d'infections euh, quotidiennes. On s'attend à ce qu'il y ait 100 000 nouveaux morts euh, d'ici les deux prochains mois maximum. On a des vaccins disponibles. Il n'y a aucune coordination du fédéral. C'est le chaos total. Il n'y a presque personne qui est vacciné. Donald Trump remet le blâme sur les États. Il est complètement absent. Il est en train de jouer au golf depuis la, le lendemain de l'élection qui joue au golf. Pour vous démontrer à quel point il est en train de lutter contre la cabale de cannibales de mangeurs d'enfants. T'es en train de jouer au golf. Puis les seules fois où il se met à tweeter ou à s'adresser aux Américains, c'est pour revenir sur ses fausses accusations de fraude. Et il s'est attaqué beaucoup à l'État de la Géorgie. La Géorgie a compté trois fois les votes le premier soir. Le, une, un deuxième recontage, puis un troisième recontage. Joe Biden a remporté trois fois l'État de Géorgie. Et Brian Kemp, qui est le gouverneur... D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que le gouverneur est républicain en Géorgie et que les deux sénateurs étaient républicains, et que tous les représentants, le secrétaires d'État est républicains, c'est un État républicain, et ont tous voté pour Trump en 2016, puis en 2020. Puis Donald Trump s'est mis à les attaquer de façon complètement inutile, et là on a même, pour lui faire plaisir, fait un recontage des signatures, parce que lui il alléguait que c'était... Des f... Il y a eu des fraudes au niveau des signatures. Les signatures ne sont même pas vérifiées et patati et patata. Juste pour le contenter, on est même allé jusqu'à faire un audit des signatures en Géorgie et ça vient d'être publié le 29 décembre sur The Hill, hein, un site complètement conservateur. Et il n'y a aucune fraude à l'élection présidentielle. C'est pour ça que la Cour suprême ne se mêle plus de ça parce qu'on n'est pas mêlé par le rejeter rejeté. Et d'ailleurs, devant les 60 euh, présentations devant les cours de l'équipe d'avocats qui sont soit complètement nuls ou complètement euh, irresponsables ont toutes été rejetées. Un audit de signature des résultats de l'élection présidentielle dans un comté clé de la Géorgie a confirmé qu'il n'y avait pas eu de fraude. Le troisième examen confirmant que le président élu Joe Biden a remporté le Peach State, l'état de la pêche, hein, de la Géorgie, en novembre. Comme le secrétaire euh, de l'état Brad Raffa Raffensperger. Euh, a déclaré dans un communiqué de presse que l'examen dans le comté de Cobb, que Biden, puis Raff, euh, Raffensberger, c'est le secrétaire d'État républicain qui a voté pour Trump les deux fois, qu'après euh, l'examen euh, des euh, bulletins de vote par correspondance de Cobb, que Biden a remporté de plus de 14 points de pourcentage, a révélé que le Conseil électoral avait atteint un taux d'exactitude de 99,9 dans l'exécution des procédures de vérification de signatures. C'est incroyable comment euh, Donald Trump a raconté n'importe quoi parce qu'il est incapable d'accepter sa euh, défaite. Mais il ne faut pas oublier qu'il a des ambitions pour 2024, il veut revenir et il n'a pas le choix de stimuler sa base. Et c'est en prétendant mener un combat hein, contre l'élite, contre l'État profond qui l'aurait euh, spolié de cette élection-là que Donald Trump stimule sa base et rabance beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est un coup de théâtre encore là qui va avoir lieu le 6. Donc, le 5 est l'élection en Géorgie. Le 6, c'est la confirmation du vote du Collège électoral, État par État, au Sénat. À la Chambre des représentants, la Chambre basse, c'est au Sénat. Et tu peux t'objecter. Il y a des euh, sénateurs qui se sont objectés trois fois déjà. Euh, en 2004, je pense, contre George W. Bush. Puis en, 2000, euh, en 2009, contre Barack Obama, si ma mémoire est fidèle. Ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, ça va être la troisième fois. Et même contre Donald Trump, il y a un, des euh, représentants de la Chambre basse et du Sénat euh, démocrate qui avaient essayé de, de s'opposer à ce résultat-là. Et Joe Biden avait fermé le couvert euh, rapidement. De toute façon, j'aimerais vous rappeler que constitutionnellement, le vice-président, c'est lui qui supervise cette séance-là, a aucun, aucun pouvoir pour renverser l'élection. L'élection est finie, c'est confirmé, il n'y a plus rien qui peut changer ça. Ce, qu va, ce à quoi on va citer, c'est juste un débat qui va s'éterniser pendant la journée parce que tu as un, un ou deux représentants qui vont s'opposer. Mais tu ne peux pas renverser le résultat. L'élection est confirmée, c'est fait, il n'y a rien qui peut changer ça. C'est juste un coup de théâtre qu'on fait pour s'assurer qu'on va continuer à stimuler cette base-là, puis qu'on va aller la récupérer du côté des républicains, parce que Donald Trump s'en va lui. Donald Trump il est parti dans 21 ou 22 jours. Là. Donald Trump est plus dans la sphère du pouvoir. Donc, ce que les républicains veulent faire, via Josh Hawley qui fait ça, le républicain en question, c'est qu'on veut s'assurer qu'on va aller récupérer cette base-là, qu'on va pas la perdre parce que Trump s'en va là, lui. Il sera plus dans le paysage politique. Donc, en faisant ce coup de théâtre-là, parce que c'est juste un coup de théâtre, ils n'ont aucun, aucun pouvoir pour changer l'élection. Pour changer une élection, il faut que tu passes par la cour. Et les 60 causes qui ont été déposées devant la cour, aucune n'a abouti à quoi que ce soit parce qu'ils n'ont amené aucune preuve. Devant la Cour, tu ne peux pas arriver juste avec des histoires, puis des légendes, puis des contes urbains. Il faut que tu arrives avec des preuves. D'ailleurs, la Cour suprême a rejeté, puis il y a même une cause qui est, que, les, les, euh, que Trump a présentée via euh, ses avocats, une autre à la Cour suprême. Pis la Cour suprême ne se préoccupe même pas de ça. La semaine prochaine, c'est la confirmation finale de cette élection-là. Puis le 20 janvier, c'est la sermentation. La Cour suprême ne veut rien savoir parce qu'il n'y a pas de fraude. Ce pas parce que tu as perdu l'élection et le résultat ne fait pas ton affaire qu'il y a eu une fraude. Parce que s'il y avait eu une fraude généralisée, ça veut dire que les, tous les républicains qui ont été élus ben, seraient discrédités aussi. Ça n'a pas de logique, c'est irrationnel. Puis d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que sur un bulletin de vote américain, pour une présidence, tu as les deux candidats à la présidence. Tu dois voter pour ces deux-là, puis après, tu dois voter pour toutes sortes de représentants à la Chambre basse, pas à la Chambre haute. Puis que beaucoup d'Américains ont voté pour répudier Donald Trump, mais ont voté après ça, ensuite, dans le bas du bulletin, pour garder des Républicains. Donc c'est vraiment Donald Trump qui est le grand perdant de cette élection-là, et ça, il est incapable de l'accepter. Il s'est comporté comme un poltron, comme un venu-pied, a pris la pandémie à la légère, puis il l'a pris encore à la légère. Les Américains sont dans des nombres records de décès, L'économie est encore 20 millions d'Américains qui n'ont pas de job. L'économie est en pleine chute libre. Lui s'est adressé à la nation qu'une fois pour un ou deux, via Twitter et Facebook, pour crier sa euh, petite rage de bébé gâté d'avoir perdu l'élection. Les Américains tombent comme des mouches. Il fait allusion à ça. Jamais, jamais il en parle. Jamais il y a une considération pour les Américains. Le vaccin est disponible. Il n'y a eu aucune aucune coordination du gouvernement fédéral, c'est le bordel total. Puis Monsieur est en train de jouer au golf. Et là, il est revenu à Washington pour rencontrer Josh Hawley puis euh, quelques républicains pour donner ce dernier coup de théâtre. Vraiment, c'est pathétique. Je suis tellement content d'avoir laissé cet homme tomber cet homme-là parce que c'est du n'importe quoi. C'est vraiment de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Le pays est à feu et à sang. Donald Trump a fait de la Chine. Le pays le plus puissant en ce moment, c'est Gracieuseté de Donald Trump. En fait, de la Russie, le pays, un pays qui est revenu avec de la vigueur, Gracieuseté de Donald Trump. Donald Trump a ravagé les États-Unis, a isolé les États-Unis, a amené le monde à feu et à sang, dans la haine, la distorsion, dans la démence. Il y plein de gens qui ont écouté cet homme-là raconter n'importe quoi. Quatre ans de mensonges de délire, de démagogie, de conspiration, de complète démesure, égocentrisme. Puis les Américains se retrouvent gros gens comme devant, avec un, un pays à feu et à sang, divisé, ruiné, une dette comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Trump a fait exploser la dette. Nonobstant la COVID, bien avant la COVID, avec des dépenses complètement, complètement irresponsables, des baisses d'impôts complètement irresponsables, des guerres commerciales complètement irresponsables, a été capable de ramener zéro industrie de ce qu'il avait promis aux États-Unis. Puis même, faut que tu comprennes que si tu ramènes une industrie dans, au Canada, en France ou aux États-Unis, euh, par exemple d'un pays émergent, puis tu réussis à convaincre, euh, les entrepreneurs de revenir, par exemple, aux États-Unis, au Canada ou en France. Tu créeras pas d'emplois avec ces entreprises-là. Toutes ces entreprises-là, ces manufactures-là, vont toutes être robotisées. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le sénateur, Josh Charlie, c'est lui ça a annoncé mercredi qu'il s'opposerait à la certification des résultats du Collège électoral de certains États le 16 janvier, une décision qui obligera ses compatriotes républicains à voter pour choisir entre le rejet des affirmations non fondées du président Trump de fraude électorale massive lors de l'élection de cette année ou de priver des millions d'électeurs. Alors que de nombreux membres de la Chambre républicaine devraient s'opposer aux résultats du Collège électoral de plusieurs États occidentaux lors de la certification des votes par le Congrès la semaine prochaine, Josh, Josh Hawley est le premier sénateur à s'engager à le faire. L'annonce est importante car, selon les règles du Congrès, une objection écrite approuvée à la fois par un membre de la Chambre et un sénateur est nécessaire pour forcer à un examen ou à examiner une objection. Donc, tu vas avoir un débat, ça va durer toute la journée, ça va être du n'importe quoi, mais c'est un dernier coup d'épée. Euh, qu'on veut donner du côté des pro-Trump surtout du côté des républicains, parce que Trump va disparaître là, du monde politique, hein, il va devenir euh, c'est un président boiteux, de can un président de présidence euh, maintenant lame duck, presidency, hein, il s'en va comme un canard boiteux, tu le verras plus, il y aura plus de pouvoir, et là les républicains sont là eux, hein, et Trump est plus là, puis ils veulent s'assurer qu'on va garder euh, ces euh, républicains là. Euh, Stimulé pour le prochain, de bord, de, le, le, le prochaine élection de mi-mandat, ça vient vite, deux ans, puis après ça, 2024, ça vient très, très vite. Donc, c'est juste un dernier coup d'épée dans l'eau. Et c'est bien expliqué ici par un panel de spécialistes, surtout un avocat de très, haute, très haut niveau. Henderson CNN Ben On these matters, uh, Ben. Let me start with you, Senator Josh Hawley. He plans to object to these election results when Congress meets next week, and we're hearing some updated information just in the last several minutes that Hawley uh, plans to challenge the results coming from uh, uh, multiple states. And, Donc, il veut euh, challenger les résultats de plusieurs États, So this could drag out the process all day long. Donc, ça, ça va faire en sorte que le processus va s'allonger toute la journée du six. Apparently, next week. uh he's considering this uh, bon qu'il considère de faire ça From what we understand uh what the senator is saying at this point but this has zero percent chance of success isn't that right donc ça ça a 0 chance de succès n'est-ce pas puis il s'adresse ici à, à un grand avocat euh, ginsburg that's correct zero percent chance and the notion that he's going to highlight fraud and abuse in the electoral system is totally misplaced donc il dit il fait ça à la mauvaise place de vouloir euh démontrer qu'il y, qu y a eu de la fraude. Ce n'est pas à la bonne place à, à la Chambre et au Sénat. Il faut que tu fasses ça devant les cours de justice. Et dans toutes les causes où ils sont allés présenter ça devant les tribunaux, plus de 60, ça a tout été rejeté parce qu'il n'y a pas de preuves. And... Et ça a toujours, toujours, toujours échoué. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va aller écouter George Conley, qui est euh, étonnamment le mari de Kellyanne Conway, qui a été la, la main droite de Donald Trump pendant quatre ans. Hein. Imaginez-vous, c'est mari et femme qui sont dans deux camps complètement différents. George Conway, qui est un avocat conservateur, qui a toujours été républicain, mais qui a répudié le Parti républicain sous Donald Trump. Et il explique très, très clairement ce qui va se passer le 6... Euh, le 6 janvier. Tu ne peux pas renverser cette élection-là. L'élection élection est finie. C'est réglé, c'est bâclé. Tout ce que, dans le fond, Josh Hawley veut faire aussi, comme je vous le disais, c'est aller récupérer la clientèle, mais en même temps, c'est aussi exposer les sénateurs républicains. Les forcer parce que tu vas être obligé de voter. Et c'est de... Même, peu importe le vote, tu ne peux pas renverser. L'élection est finie. Et le, le vice-président euh, Mike Pence qui va... Euh, présidé à cette euh, séance-là, n'a aucun pouvoir pour... Il n'y a pas de pouvoir constitutionnel pour euh, renverser cette élection-là. Il n'y aura pas le choix de confirmer la victoire de Joe Biden. Mais ce qu'on veut faire, c'est un coup de théâtre. Et ce que John Charlie veut faire, en plus d'aller récupérer la clientèle, c'est d'exposer les sénateurs républicains qui vont soit voter avec Donald Trump sur les mensonges et le délire et la conspiration de Donald Trump, qui est de cette élection frauduleuse, ou don't se ranger avec les faits et la vérité et là ils vont pouvoir les attaquer face à la clientèle trempé euh, trempé du parti républicain. thanks for joining us. what's your reaction to senator hawley saying that he's going to force uh, he's going to reject the election results and force every senate republican to go on the record and say whether or not they side with him or side with the facts and the truth. Uh, jake thanks for having me first of all it would be comical si ce n'était pas une affaire aussi sérieuse. Donc, Conley dit, cet événement-là, ce serait comique, une, une, ce serait burlesque et comique si ce n'était pas si sérieux. Parce que c'est à propos de l'élection. Donc, ça devient euh, dramatique. C'est l'intégrité de notre processus d'élection. C'est le height of l'absurdité. Cette élection est ouverte. C'est ouverte, pas seulement en termes de voters casting castent leurs votes, mais c'est ouverte en termes de ce que le collège a fait. Donc c'est fini, c'est terminé. Le collège électoral a rendu sa décision, de, je pense que c'était le 8 décembre. Il dit la seule façon où le Congrès pourrait renverser l'élection, c'est s'il y avait eu des votes truqués du collège électoral. Mais c'est le seul et unique endroit où tu peux euh, changer cette élection-là. Donc c'est fini, c'est un coup de théâtre, un dernier, mais j'étais obligé de vous faire cette... Mise au point parce qu'il y a trop de monde qui écoute n'importe quoi, puis qui écoute surtout n'importe qui. L'élection est finie, il n'y en a pas eu de fraude. Et il faut que tu acceptes une défaite. Imagine si on commence dans nos pays là, à agir comme Donald Trump et que tous nos politiciens, Emmanuel Macron, François Legault, Philippe Couillard, Pierre Jean-Jacques, se mettent à toujours, toujours contester le résultat des élections parce que ça ne fait pas leur affaire. Coudon, on est vraiment dans un, un asile de fous, là. Vraiment, puis c'est dangereux. Il y a vraiment temps qu'il s'en aille, Trump. J'ai hâte que ça finisse. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas fini de vous en parler. Il reste encore 20 ou 21 jours. Mais il fallait que je vous fasse cette mise au point-là pour que vous compreniez, une fois pour toutes, c'est fini. Il a perdu. À cause de quoi De sa démagogie, son égocentrisme, de son je m'en foutisme aussi. S'il avait seulement géré cette crise, cette pandémie, de façon juste normale, il aurait gagné. Mais il s'est comporté comme un. un Vraiment, un être psychiatrisé sortant directement d'un asile de fous en disant au monde que c'est une, une, une fumisterie, que c'est une grippette, que c'est rien, il se moque de ceux qui portent des masques, il a mis le pays à feu et à sang. Puis il a pensé qu'il était pour se faire élire comme ça. Le dernier euh, rassemblement politique de Donald Trump, il disait, moi je vais le congédier, Fauci, inquiétez-vous pas. C'est l'homme le plus respecté dans le monde puis aux États-Unis. Puis tu penses qu'il mérite de gagner une élection, puis que c'est en argumentant comme ça que tu vas gagner l'élection. C'est comme si moi j'avais un produit à vous vendre, puis je vous disais pour vous convaincre de l'acheter, c'est le pire produit qu'il n'y a pas, c'est de la merde, ça marche pas, mais achetez-le, vous n'allez pas le regretter. <laughs>